Vážení členové poroty, vážení studenti a učitelé, dobrý den. Jmenuji se Bohem Beno, je mi 15 let a žiju v České republice. Studuji na francouzském liceu v Praze ve třídě 3. Rozhodla jsem se zúčastnit této soutěže Ambassadeur Ambassadrice en Herbe nejen proto, abych zlepšila svou retoriku, ale také a hlavně, abych zvýšila povědomí o problémech ovlivňujících moře a oceány a odpověděla na otázku, jaké jsou výzvy pro planetu z hlediska moří a oceánů. Ráda bych informovala lidi o nebezpečích, která číhají na více než 70% naší planety, protože bez informací nemůžeme reagovat. Chers membres du jury, chers élèves et chers professeurs, bonjour. Je m'appelle Bohem Bonin, j'ai 15 ans et je suis en 3e 3 au lycée français de Prague, en République tchèque. J'ai décidé de participer au tournoi oratoire Ambassadeur-Ambassadrice en Herbe, non seulement pour améliorer la façon dont je m'exprime à l'oral, mais surtout pour sensibiliser les gens à faire quelque chose pour la planète, pour ces mers et ces océans en danger. Mer et océans, quels dangers pour la planète? Question polémique, ne pensez-vous pas? Cela peut vous paraître étrange que moi, vivant en République tchèque, ait décidé de vous parler d'un tel sujet, alors que ce beau château est à bien des centaines de kilomètres de la mer la plus proche. Mais c'est une question dont la portée est universelle, et dont je me dois donc de parler. C'est aussi un signal fort que l'AEFE, dont le réseau s'étend à toutes les régions du monde, l'ait retenu comme thème de la 10e édition de Ambassadeur-Ambassadrice en Herbe. Ils sont importants pour la planète, mais malheureusement, ils sont menacés. Les conséquences sur l'humanité des problèmes auxquels ils font face sont très graves. Pour les protéger, il est nécessaire d'agir. Dans la plupart des cultures, les mythes fondateurs sont centrés autour des mers et des océans et les associent à la création du monde. Chez les Indiens Cheyenne, par exemple, un oiseau échassier conserve dans son bec de la base que le grand esprit utilise pour créer un monticule de terre au milieu de l'eau. Dans son livre « L'origine des espèces », Charles Darwin est le premier à affirmer que la vie a commencé dans les mers et les océans. Quand les poissons ont quitté l'eau protectrice pour découvrir la terre ferme, l'aventure humaine a commencé. Ce fut un petit pas pour le poisson, un grand pas pour l'humanité, aurait dit Neil Armstrong s'il avait vécu à l'ère du Dévonien. Ils ont séparé les peuples, mais ils ont joué et jouent encore un rôle majeur dans le commerce international et les échanges mondiaux. Nous savons qu'ils sont indispensables, mais cela ne nous empêche pas de les mettre en danger. Comme le soulignait le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, pas plus tard que le 28 janvier, les mers et les océans sont des espaces contestés, des lieux d'intense compétition économique, mais aussi et en même temps, des biens communs en danger. C'est-à-dire des puits de carbone inestimables, dont les équilibres sont menacés par l'accélération des dérèglements climatiques qu'ils pourraient pourtant précisément contribuer à réguler. C'est-à-dire de précieux écosystèmes garants de notre biodiversité et nécessaires à la subsistance de près de 3 milliards de personnes, mais dont la survie même est mise en péril par les dérèglements climatiques, par la pollution, par la surexploitation des ressources ou encore par l'artificialisation des côtes. Les risques qui pèsent sur les mers et les océans sont nombreux et graves. Il y a la pollution, bien sûr, qui d'après la fondation Ellen MacArthur sera telle qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Vous vous en rendez compte? Il y a aussi la montée des eaux que provoque le réchauffement climatique et dont les États insulaires du Pacifique, inquiets, ont beaucoup parlé au sommet de la COP26 à Glasgow en octobre 2021. Il y a en outre la diminution des ressources halieutiques à cause de la surpêche qui en plus détruit centaines d'espèces de poissons et leur habitat. Il y a enfin l'acidification des mers et des océans qui est due à un excès d'absorption de CO2 par ceux-ci. Ce phénomène dont nous sommes responsables tue les coraux et rend les mers et les océans inhabitables. Il est encore possible de corriger notre trajectoire et de sauver les mers et les océans. Cela viendra d'initiatives internationales comme le One Ocean Summit qui vient de se clôturer à Brest le 11 février. Cela viendra aussi des entités de défense de l'environnement telles que la Fondation Tara Océan et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Nous, les jeunes, avons aussi notre rôle à jouer. En réduisant nos différentes empreintes, qu'elles soient climatiques, écologiques, commerciales, et en défendant cette cause, comme l'a fait Greta Thunberg, nous pouvons y arriver. Un grand merci à l'AEFE de nous offrir une plateforme pour faire passer ce message si important qui concerne tout le monde. La mobilisation mondiale est nécessaire pour protéger toutes ces masses d'eau qui ont donné à notre planète son si beau nom de planète bleue. Comme une orange.